La nourriture qu'on propose, c'est une nourriture saine. On essaye de faire un assiette équilibrée à chaque midi. On utilise les produits locaux, on utilise quelques produits bio et des choses, enfin des produits de saison aussi. Il y a beaucoup de boissons naturelles, enfin il y a toute cette partie dans la nourriture. Après, il y a aussi avec le matériel, on essaye d'utiliser des matériels qui ne sont pas très polluants, mais c'est quand même très difficile parce que la machine, par exemple, la machine elle consomme beaucoup d'eau et parfois on doit avoir des produits un peu plus performants pour ça. Après, il y a aussi les déchets qui ont pris, on fait le tri des déchets, enfin les huiles usagées. Dans la ville de Genève nous soutient aussi parce qu'elle vient récolter ces huiles. Il y a aussi le côté personnel aussi. Le personnel ne travaille pas à 100% tout le monde. Donc tout le monde, on est 5. Mm-hmm. Avec moi, on est 4 employés. Donc ces employés, ils travaillent aussi. Enfin, on essaye de donner, parce qu'il y en a qui ont des enfants, donc on essaye de donner des horaires un peu flexibles. Avant, j'avais d'autres façons de faire ma cuisine, mais je n'aime pas le fait de changer après, de donner des congés ou de donner des trucs qui ne sont pas bien ou de faire des choses qui ne sont pas dans ces sens-là. Donc c'est plutôt pour ma conscience vraiment de voir que la nourriture, au moins, elle est pensée. Ouais. Elle est pensée, elle est préparée, etc. Et on fait aussi l'attention avec la nourriture. Parce que ça vient aussi avec moi depuis toute petite. De faire attention, de ne pas jeter, de ne pas avoir beaucoup de déchets. Enfin, tout ça, ça vient déjà un peu de moi. Alors, je pense que ça fait un peu partie de la vie. Yeah. Magnifique! Merci. Nouveau fair spot. Merci beaucoup. Merci à vous. Pas de soucis. Magnifique.